Aujourd'hui, on présente les sites naturels remarquables qu'il y a sur la ville, qui ont des spécificités. Bien sûr, le Fort Carré, qui a été acheté il y a à peu près 25 ans et qui a permis de faire un site préservé conservatoire du littoral. Le bois de la Garoupe, qui est encore très, très bien visité, plus discret, une forêt fraîche même en été, et qui appartient aussi au conservatoire du littoral. Et puis, d'autres aspects, le Cap d'Antibes. Donc on connaît bien l'identité, et au sein de ce Cap d'Antibes, la Villa Hellenrock, avec plus de 11 hectares préservés, avec en particulier une roseraie qui a été mise en place et qui traduit la mémoire de la ville d'Antibes dans sa horticulture. Après, on a une entrée de ville de l'autre côté, c'est le parc Explora. Et là, aujourd'hui, on va réorganiser l'ensemble de l'entrée de ville autour du parc et faire en sorte que de l'autre côté, du côté des eucalyptus, on ait une entrée très végétalisée et qui fait un parc supplémentaire. Et puis, il y a la Brague, par prairie humide, achetée par la ville d'Antibes, qui préserve effectivement une faune et une flore très particulières, et même des oiseaux de passage, dont la préservation dépend de ce type d'espace. Et sur la Brague, vous le savez, il y a une certaine zone qui est inconstructible et que le conservatoire du littoral est en train d'acquérir pour faire en sorte qu'il y ait un cœur de Brague et que dans ce cœur, il y ait effectivement une nouvelle forêt et de nouveaux espaces naturels. Et ça, c'est les éléments que nous avons, les perspectives que nous envisageons. Mais dans 15 jours, nous présenterons la ville-parc, c'est-à-dire tous les parcs naturels que nous allons rajouter à l'intérieur de la ville pour faire que nous soyons dignes du plan local d'urbanisme que nous avons mis en place, où on diminue les hauteurs, où on oblige à la végétalisation autour des immeubles et où on fait en sorte qu'effectivement, on passe d'une ville-jardin à une ville.